Salut à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur des achats sur le magasin Intermarché. Donc, j'ai fait mes grandes courses à Intermarché, puis bon, bah, j'ai pris quelques bricoles, enfin quelques trucs que je tenais à vous faire partager. Sur ce, j'espère que vous allez tous et toutes bien, voilà. Et encore une fois, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'essaierai d'acheter un petit micro. Et puis, on verra bien hein, ce qu'il y en est après avec le micro aussi. Enfin, j'espère n'en trouver un plus ou moins parce que à Intermarché, il n'y a que dalle. Donc, je vais commencer donc par les, par les gourmandises. Donc, cette fois-ci, je ne vous dirai pas les prix. Je les mettrai soit en haut ou en bas. Vous verrez bien. Donc, j'ai pris des pépites de chocolat noir. J'en ai pris un seul paquet. Pour 125 grammes, comme ceci. Voilà, c'est un retour d'Intermarché. Hein. Voilà, c'est pas Lidl, Intermarché. Voilà, donc j'en ai pris un seul paquet. Tiens, ma puce. Hop. Ensuite, j'ai pris ceci. Il y en a pas 10, ce sont des gâteaux au chocolat. Mmh. Voilà, donc je pense que ça a 1 euro et des brouettes. De toute façon, je vous mettrai les prix pour 250 grammes. Voilà. Donc, ça change un peu de chez Lidl. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un gâteau marbré. Voilà. Bicolore. Comme ceci. C'est beau. Voilà. Il nous fait 400 grammes. Voilà. Tiens, mon chéri. J'ai pris des Milka. Des Milka. Alors, c'est des nouveaux. Des chocos snacks. J'ai pris ça dans les rayons frais. Il y en a x4. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, c'est à base de lait. Hein, et puis, très bien pour le 4 heures en sortant des écoles. Ah, miam. Ouais. Ensuite, j'ai pris... Alors, c'est des gaufrettes. Voilà, comme ça. Il y en a 600 grammes. Ouais, c'est ça. 10 gaufres liégeois. Liégeoises. C'est au chocolat. Il y en a x10. Comme ceci. Alors, je vous mettrai les prix. Hein. Voilà. Je me suis pris des Kellogg's Chabrior. Des bio cornflakes. Comme ceci. Et puis là, il y a... Voilà. Il y a plein de trucs qui est écrit bio. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, des lamelles d'écorce de citron. Comme ceci. Ah ben c'est pour faire moi-même, tu sais bien, des, comment ça s'appelle, des couronnes, des brioches, des couronnes des rois briochées, voilà, parce que je l'ai fait moi-même, voilà, et ça c'est des fruits confites, mais assortiment, bon, il y en a plusieurs à l'intérieur, vous avez des cerises confites, je pense, des oranges confites, voilà, des kiwis confits, enfin ces trucs verts que vous voyez là, je ne sais pas trop, mais bon voilà. C'est comme ceci. Et ça, ce sont des citrons, des lamelles. Voilà. Ensuite, je me suis pris mes Maxwell Housse. Donc, il y en a x25 sticks, comme ceci. Alors, j'aime bien les mettre dans des petites tasses ou alors le matin au petit déjeuner. Voilà. Ou le soir ou en fin d'après-midi aussi, c'est très bien. Voilà. Alors, il suffit d'ouvrir juste sur le côté. Hop, vous tirez, vous servez, c'est très bien. Et t'en as pris deux. Voilà, j'en ai pris deux paquets. Ils sont pas chers, même pas 2 euros, je crois. Voilà, donc ensuite, je vais passer, alors, ce que j'avais pris, c'est une boîte de, comment on appelle ça? Alors, j'ai pris du Milka, pâte à tartiner au goût noisette, voilà. Donc, ça nous fait 240 grammes, voilà, au goût noisette. Donc après, il faut enlever le... Voilà, très bien pour tartiner le matin ou 4 heures. C'est chouette. Ensuite, je me suis repris la Benedicta. Alors ça, j'aime bien la sauce tartare. Voilà. C'est vraiment bien, la marque Benedicta. Et en Benedicta aussi, vous, la sauce au poivre, qui est très bien en accompagnement avec bah, les viandes. Voilà, des pommes de terre, des légumes, pourquoi pas aussi. C'est très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ceci. C'est Amora. C'est la véganaise. La marque Vegan.
Voilà. Alors ça, c'est nouveau. Voilà. Donc après, c'est sans œufs, savoureuse et onctueuse. Donc après, je ne peux pas vous dire, c'est une 270 grammes. Voilà. Du vegan. Donc après, oh, ça sent bon. Voilà, comme c'est. Je vais juste un petit peu goûter. C'est trop bon. Elle est onctueuse, ouais. Ouais. Elle a un bon goût même en plus. Oh, pour accompagner les légumes aussi, pourquoi pas. Et puis les crudités, les crevettes, etc. Pourquoi pas. Voilà. C'est très bien. Et j'ai pris de la marque Ace. C'est une sauce épicée. Voilà, que je mettrai dans mes sauces. Voilà, j'adore mettre un petit peu une cuillère à soupe de ces sauces-là. Voilà, un peu épicée. Après, c'est chacun ses goûts. S'il y en a qui aiment vraiment épicé, épicé, ils peuvent en mettre deux, trois. Et après, je trouve que c'est un peu trop, hein. Donc, après, c'est le goût bien corsé, là. Voilà. Donc, maintenant, nous allons attaquer dans les produits cosmétiques. Et puis, avant de commencer les produits cosmétiques, j'ai repris pour mon imprimante de l'encre, comme ceci. Voilà. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, hein. Ils ne sont pas donnés du tout. Alors, il y en a eu pour 20 euros. De toute façon, je vous mettrai le prix. Voilà. Donc ensuite, j'avais oublié de... Quand je suis partie, j'avais oublié de prendre un masque. Et donc, sur le coup, mon mari était obligé d'aller au magasin et de prendre un... Voilà. Donc, c'est vendu en lot. Donc, c'est des lots de masques. Il y en a fois 50 pièces. Je trouve ils sont vraiment super. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment génial, que ceux en tissu, je ne peux pas enfin, les supporter. Si, mais ce qui est très bien, c'est que celles-ci sont vraiment super, quoi. Alors, en plus, elles sont jetables. Voilà. Je les supporte pas trop, moi. Mais c'est vrai que l'odeur, il y a une Ouais. odeur. C'est vrai que ça fait mal à la tête après. Bon, après, vous avez la petite notice pour expliquer comment on Oh doit là mettre le masque. là. Non, c'est Donc, déjà. déjà, conneries. Bref, pour ceux qui ne le savent pas, hein, ben voilà, c'est chouette. Ensuite, j'ai repris, ce sont des normales, ce sont des protèges, voilà, comme ceci, de la marque Always, il y en a fois 30. J'adore cette marque. Voilà, donc ensuite je vais passer. Alors ça c'est une petite nouveauté par contre que j'ai vu sur que j'ai regardé que j'ai vu en pub à la télé. C'est de la marque Always. Ce sont des serviettes. Voilà. Il y en a fois 16. C'est comme ceci. Et c'est nouveau. Donc ils sont nouveaux. Et je les trouve vraiment super. Alors après, je peux pas vous dire. Donc voilà, comme on dit, ils sont plus minces, celles-là. Voilà. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Celles-là, ils sont plus minces. Le paquet de 16 et le paquet de 10 qui sont des normales sont un peu plus épaisses. Voilà. Un peu plus épaisses. Ben, sont pareils à peu près, hein, voilà. Donc on verra bien. Moi j'ai voulu les prendre, mais c'est vrai que bon ben je crois que c'est celle-là qui vaut 3 euros. 3 euros et des brouettes, je crois. De toute façon, je vous mettrai le prix. C'est vrai que c'est pas donné, mais bon. Moi j'aime bien cette marque-là. Et puis je voulais en prendre de ces nouveaux, donc on verra bien. Voilà. Donc ensuite, je passe. Alors ça, c'est la première fois que je prends cette marque-là en coton. C'est la marque Labelle, parce que moi, la marque Labelle, je n'aime pas du tout dans le make-up ou dans certains produits. Alors dans le coton, je ne peux pas vous dire. Disque démaquillante duo, doux. Double face.
C'est des doubles faces. Donc, il y en a combien? Il y en a fois 110. Donc, il y a de quoi faire. Il y en a fois 110. J'en ai plus qu'un seul paquet. Voilà. Donc, je me suis repris aussi Intima. Voilà. Donc, c'est un gel intime quotidien. J'adore cette marque-là. Il apaise. Et c'est à l'aloe vera. Donc, l'odeur, elle est... moi, je l'aime bien. Ouais, vraiment, c'est super. Donc, c'est juste pour une partie intime. Donc, voilà. C'est super. Ensuite, j'ai trouvé ces petites lingettes qu'on peut glisser dans son sac à main ou à emporter comme on veut, je sais pas. C'est la marque Kleenex. Donc, Kleenex, ça me fait penser un petit peu cette marque-là pour le nez. Et donc, il y en a fois 12. Donc, c'est pour les mains et pour le visage. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il est noté derrière? Il y a 98% d'eau pure et une petite touche d'aloe vera. Voilà. Alors, c'est pour les mains et pour les et pour le visage. Julie, t'as mangé de la sauce, de pas la sauce tartare, du que papa m'avait pris là. Comment le fromage tartare. Voilà. Que j'adore ça. Donc, mais j'aime pas le sentir quand on n'est pas en. Voilà, petite lingette, ça sent bon. Voilà, donc ensuite je me suis pris de la marque Nivea Visage 5 en 1, une 50 ml, comme ceci. Alors, à ce qu'ils nous disent, c'est pour les peaux sensibles, hein, c'est bien ça. Ce qu'ils nous disent, ça hydrate pendant 24 heures et ça a un effet non gras, il absorbe rapidement, hydrate bien la peau. Voilà. Soulage les tiraillements. Voilà. Et apaise la peau. Voilà. Donc, très, très, très bien. Voilà, le 5 en 1. C'est noté là. Donc, après, c'est une petite dose de combien? Je vois pas. Ah oui, 50 ml, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser non plus. Donc ensuite, j'ai pris des savons. Alors j'en ai pris deux. Alors du Cadom. Ça sent bon. Et ça, c'est le mon savon que j'ai l'habitude de prendre. Ah, ça sent trop bon. J'adore. Mon savon. Voilà, Cadom et mon savon. Ils ne sont pas chers. J'ai repris du dentifrice plus de 7 ans. C'est pour ma petite dernière. C'est du Signal. Comme ceci. Voilà, la marque Signal. Et moi, j'ai repris du Aquafresh triple protection bleu plus blancheur. Donc voilà, comme ça. Parce que l'autre dentifrice, je ne l'aime pas du tout. Il a un goût de comment de comment. Quand vous allez chez le dentiste, il a un goût. Il y a un produit que j'aime pas beaucoup. C'est le fait de. Quand vous allez chez le dentiste et que vous donnez un verre avec du produit à l'intérieur dedans, ça a un goût un peu spécial que je déteste. J'aime pas. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. C'est super bien. Ensuite, j'ai pris ça pour mon fils le plus jeune. C'est une crème Nivea Soft. Donc voilà, une 75 ml. Donc il aimera, hein, voilà. Puis ça sent super bon, hein, à la base. Là aussi, ça a un effet non gras. Hein. C'est comme ceci, voilà. Hop. Ah, ça sent super bon. Ça sent bon. Ça sent le Nivea. Ouais. Voilà, c'est pas gras. Ça l'absorbe rapidement. Voilà. Donc, c'est super. Ensuite, j'ai pris des gels douches. Alors que vous avez la marque Ultra Doux pour les cheveux. Mais là, vous avez une arrivage de Ultra Doux gel douche. Voilà, donc moi, je l'ai pris au savon d'Alep et huile de rose. Voilà, donc très bien. Pour une dose de 250 ml, donc l'odeur. Ouais, c'est super, ça sent trop bon. Voilà.
Voilà. Et ça, on a le Tahiti, je crois. Ouais, le Tahiti. Donc, c'est à l'eau de lotus. Voilà. Une 250 ml aussi. Voilà, comme ça. Donc, ça sent super bon. Moi aussi. Hein. Ah ouais, ça sent super. Mmh. Sous la douche. C'est génial. Mmh. Ça sent super bon. Et ça, j'ai pris ça pour mon mari. C'est la marque Narta. C'est un déo. 24 heures. Antitrace blanche. Voilà. Donc, fraîcheur intense. Et donc, à la base, on est basé sur une 200 ml. Voilà, comme ça. Voilà. Après, on vaporise. Ah, ça sent super bon. Ça sent bon, hein? Mmh. Ah ouais. Ah ouais. Et pour finir, eh ben écoutez, je me suis pris un petit parfum ciel, parfum vanille, voilà, à l'odeur de vanille. Ouais, mais... Donc, mais à mon avis, ça, voilà, c'est de Jacques Saint-Pré. Voilà. À mon avis, ça l'a plus que l'odeur de la vanille. Mmh. Mais ça ne picote pas au nez, c'est très délicat. C'est très doux. Voilà. Très 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 délicat. La bouteille est très jolie. Voilà. Oh, le packaging est pas mal. Mmh. Donc après l'odeur, moi je l'adore. Vraiment. Ça sent super bon. Voilà quoi. Mais ça vous picote pas au nez. Hein. Même avant de frotter, ça picote pas. Tu vois? Même après, ça sent bon, c'est doux, c'est délicat. Mmh. Hein? Mmh. Voilà. C'est vrai. Mais. Ça sent quoi, bon. Quoi, disons de l'odeur de vanille. Ça sent un peu la vanille. Non, ça va, bof, pas trop. Voilà. Donc, juste pour. Bon. Voilà, pour la maison ou pour le soir. Ciel. Marqué ciel. Voilà. Voilà, voilà. Donc, sur ce, bah, ma petite vidéo va se terminer. Sur un petit retour d'Intermarché, bien sûr. Je vous ai pas montré. Toutes mes courses, hein. Donc je vous ai montré juste un peu l'essentiel, hein, parce que moi je montre pas mes courses, perso, je vois pas, enfin, bref, ça me regarde, donc voilà, après voilà, on fait comme on veut, sur ce, bonne soirée à tous, on se retrouve pour, comme je vous ai dit, une vidéo sur les décos de Noël. J'ai pas encore tout à fait fini encore les décos. J'ai encore quelques trucs à faire. Ouais, et je pense qu'après, voilà quoi. C'est hein? Très magnifique. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Voilà, donc sur ce, likez, partagez, commentez, hein, faites comme vous voulez. Voilà, et sur ce, j'espère que vous m'entendez quand même. J'essaierai de faire un peu de mon mieux pour trouver un micro, faire en sorte, voilà. C'est vrai, si on aurait le matériel adéquat, mais malheureusement, voilà, c'est pas permis à tout le monde de pouvoir avoir le matériel et voilà, tout le tralala. Mais bon, bref, puis il suffit pas aussi d'avoir de belles miniatures ou de, voilà, il y en a qui sortent des vidéos juste comme ça, sans faire d'intro, sans faire quoi que ce soit. Alors qu'on vient pas me dire en commentaire, parce que j'avais reçu un commentaire d'un abonné déjà, en me disant oui, c'est comme si, c'est comme ça, je parle pas assez fort, bon, ça je l'admets, me disant que si, à savoir si vous regardez mes vidéos, vu que, bon, ben, que vous prenez pas conscience, voilà, mais pour moi, comme j'ai dit à cet abonné, et je le répète encore, si vous auriez pas compris, si vous auriez pas pris connaissance, enfin conscience, que je ne parlais pas assez fort, à mon avis, j'aurais pas reçu de commentaires, aussi... me disant que ben voilà. Non, je me dis voilà, ça, s'il te plaît Julie, parce que après je perds ce que je dois dire, et toi là d'ailleurs, je ne sais plus. Donc oui, j'en revenais sur les commentaires ou sur les vidéos, je pense, en me disant oui que bon ben. Vous visionnez pas la vidéo, enfin les vidéos, voilà, moi je ne pense pas, alors donc pour ma part, cette personne-là, tout d'abord, devrait d'abord parler pour elle, voilà, enfin pour lui, je suppose, parce que c'est un mec,
Voilà. Donc, il ne suffit pas d'avoir de belles, de beaux, de, voilà, de faire soit de jolies intros, de miniatures, ou etc., entre guillemets, pour faire, voilà, pour sortir une vidéo, voilà, ou pour avoir, voilà, soit plus de likes ou d'abonnés. Non, perso, voilà quoi. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, ça, c'est, voilà, chacun a son... à sa propre comment idée ou de sortir comment faire ses montages de vidéos. Voilà, s'il veut pas en faire, ben il n'en fait pas. Voilà. Donc ben sur ce ça leur était un petit blabla aussi, donc on va pas dire un coup de gueule, mais juste voilà, juste pour remettre la pendule à l'heure. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie pour un nouveau partage. Ciao, ciao.